Bonjour, bonjour, c'est Aigon. J'espère que vous allez bien. Donc, cette fois-ci, normalement, j'ai réglé mes touches. Parce que j'utilise donc la souris clavier. Et on est reparti. On va continuer notre aventure pour découvrir juste le prologue pour l'instant. Enfin, là, cet épisode, ce sera peut-être pas tout le prologue, mais au moins une partie. Donc, hop, hop, la caméra. On explore, donc là, petit livre, hop. Il est dans l'inventaire, hop, i. J'utilise ce livre. On peut le lire, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Pendant trop longtemps, nous avons cru que la source. Partie vertueuse de notre société, pourtant il nous suffit de tourner vers le passé, et plus précisément vers le règne du roi de la source, pour comprendre les souffrances et le chaos qu'une telle magie peut causer. Un jour ou no... un autre ordre devra emboîter le pas au Drac Source. Les ensorceleurs doivent être réduits au silence si d'une nécessité. Les nouveaux colis anti-source fournis par Vredeman s'avèrent extrêmement efficaces. Donc il n'y a qu'une page. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une lettre mystérieuse. Votre lettre. Ah oui, c'est un contrat. Votre signe est autre que Alexandar, l'évêque de l'ordre divin. Approchez-vous de lui et montrez à notre commanditaire pourquoi nul autre que Hoth Souliter n'est aussi craint que la griffe d'argent. Donc peut-être mon surnom, la griffe d'argent. Ça va bien avec mes cheveux alors. D'aide pour accomplir votre mission, adressez-vous au magistère Boris dans le ghetto. Notre vise, Gleshu Dumas, vous permettra de vous identifier plus éclairer votre chemin. Soon as we get to Fort Joy, it'll be time to have words with this Boris fellow. Boris. Une nouvelle information est ajoutée à votre journal, donc ok. Puis sur L pour l'ouvrir, donc pas besoin, on va cliquer dessus, remarque les données. Ouais. Il faudrait que je mette mon logo autre part. Peut-être, on verra si ça gêne. Ça risque de gêner un petit peu. Alors, je vais essayer de le mettre. Autre part. Ou voir même l'enlever si ça gêne vraiment trop. Qu'est-ce qu'on a dedans? Une fois qu'on d'huile, créer une petite flaque d'huile ayant un rayon 1. 2 mètres. Donc je peux la laisser à 13 mètres. 2 mètres de rayon. 2 mètres d'explosion. Ça a l'air sans fond. Ok. Par chemin de résurrection. Donc pour renaître. Un ennemi mort avec 20% de sa vitalité en le faisant réapparaître à moins de 13 mètres. Ah donc c'est pour les utiliser le jour quand c'est incantation. D'accord, oui, si je meurs, oui, il n'y a personne pour me réveiller. Donc, il faut quelqu'un pour m'aider. Et ça, c'est une potion de soin. D'accord. Tri automatique. Trier par différents trucs. Donc ça, après, c'est trié par, par style. D'accord. Donc là, hop, j'ai une chemise, ça. Mes attributs. Dégâts, je peux faire que ça avec mes points. Donc il faut 2000 pour le niveau suivant. Ça c'est... réduire les dégâts infligés par les attaques d'eau. Ouais, donc il va falloir faire monter ça pour faire un feu. Pour moins cher. Là c'est les points, ok. Ça c'est les capacités de combat. C'est déterminer ce qu'un personnage est capable de faire et comment il peut le faire. Oh my, these smelling salts are strong stuff. Les talents sont des qualités propres à un personnage. Choisissez les talents complémentaires avec le personnage. Bien, on fait un entre un officier, d'accord. La loi, ça, si ça nous rappelle ce qu'on a créé. D'accord. Encore, on se souvient plus, on mettra là. Ok. Par contre. Tac. Ok. Alors, juste encore. Non, l'audio.
Les dialogues, ça, comme tout est en anglais, ça sert à rien de mettre trop fort en fait, hein. Voix aérienne, ça pour l'instant, tant qu'on sache à quoi ça correspond. Donc. On va dézoomer. Ouais, ça va être chaud la gestion de la caméra. Là. Allons voir. Examiner. Donc c'est le Magistère Swan. Sans talent. Armure physique. Dégâts physiques. Tant qu'elle est supérieure à 0, elle vous immunise contre les états. Dégâts à magie ou renversement bas. 7. Mais ça c'est pour elle ça. Revenons de niveau d'effectif moins 50 à 16. Ouais donc quand on combat il faut d'abord détruire les armures avant d'attaquer les points de vie. On verra. Ah, you're up. Yeah. Notre série, j'espère que le collier de venir. Ah ouais, il y a le machin en plein milieu là. Je crois que je vais l'enlever. Alors, on a besoin un peu de temps pour s'habituer. Hein. En attendant, il faut aller voir le Magistère Williams. Tous les passagers doivent être enregistrés sur le manifeste du navire. Et c'est lui qui en a la charge. Parce qu'on n'est pas déjà enregistré avant d'avoir été monté. Vous le trouverez de l'autre côté de ce pont, dans les quartiers des officiers. Donc les réponses sont... Du coup, il tire effectivement sur le collier qu'il leur sert, lui demandant pourquoi il vous a enfilé quelque chose. Donc vous voyez, par rapport au mot, au terme choisi là, vous voyez, on est pour un soldat, pour hors la loi, on a des phrases spéciales. Alors là, si vous demandez quelques géos improbables, vous avez encore atterri. Il demande le magistère de lui dire que vous attendez vos ordres à bord du... non. C'est pas mon chef. Regardez tout le monde. Kajo, vous êtes qualifié au gars présent des choses de l'opérateur. Ah, peut-être que vous m'aurez contrarié. L'index posé sur ses lèvres, elle marque une pause et vous observe attentivement. Peut-être la main un peu trop lourde avec le sédatif. Peu importe, vous trouverez bientôt vos esprits, probablement au bout d'un certain temps. Tout du moins, en attendant, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que nous avons mis les câbles sur Fort Joie. Je vous attends, si vous êtes gentil, vous obtiendrez peut-être même un remède à tous vos maux. Vous êtes débarrassé à la source d'une bonne joie pour deux fois pour toutes. Les mots-clés déterminent comment le reste du monde interagit avec le monde. 3 mots clés définis par leur race. Ouais, c'est ça que je parlais tout à l'heure, les mots clés. Vous voyez, ils fanent les mots clés par rapport à ça, soldat machin. Ce que j'ai parlé, 3 mots clés définis par leur race, le secteur professionnel de leur côté, les personnages d'origine ont eux aussi leurs mots clés, mais ceux-ci sont différents. Ah oui, parce qu'en plus les personnages d'origine ont des mots clés en plus qui peut être déterminé ben, des nouvelles phrases de contexte en fait, je pense. Hein. Enfin, je sais pas sur du bon terme, mais un tout dans le genre. J'ai les membres de groupe. Ah, parce que t'as des phrases de soldats, type hors la loi, type mage, etc. Plus ceux des personnages. D'un pouvoir bouillant en vous, d'un loup spirituel, prenant corps, laissez votre puissance déchaîner. Non, c'est un piège. Et vous, car vous avez une question, l'objet de ce collier est de vous empêcher d'utiliser la source. C'est pour votre propre tranquillité d'esprit, bien entendu, et celle du reste du monde. Dans le journal. Voilà.
Un contrat me demandant de tuer Alexander indique que je dois prendre contact avec un magister, Boris à Forgeoin. Voilà. Ah oui, c'est là. C'est bien ça mon surnom. J'ai une mission secrète à remplir. J'ai sur moi un contrat d'assassinat dans le signe. L'évêque de l'ordre divin. D'accord. Ah, en plus, ah oui, j'ai une quête. D'accord, je suis un. Ok. Les magistères, bien qu'ils soient. D'accord, donc Luciane, en fait, notre personnage veut tuer à la fin, est le père de l'archevêque qui est à la tête de l'ordre divin. Car il est le fils de Luciane, d'accord. Chapitre 1. Ah oui, ça c'est le background. D'accord. Donc je vous laisse lire, hein, en même temps que moi, parce que ça fait un peu long à lire tout ça. À haute voix. Donc en fait, si j'ai bien début, Luciane, qu'on voulait se venger, est déjà mort en fait. Donc en fait, ça sert plus à rien en fait. Donc son fils Alexander l'a succédé. Les anéants, ceux qui vont apparaître, ouais, ça devait être la paix, finalement c'est pas la paix. Ça comme coup de RPG. Les anéants, les créatures monstrueuses, ouais. On ne sortirait pas la source. Donc ils sont... Ouais, d'accord, ok. Donc si en fait, dès qu'on utilise la source, les anéants seront attirés par nous. D'accord, en fait, Alexander son fils a pas les pouvoirs de son père, et à cause de ça, pour pas attirer l'alignant, hop, tout cela qu'ils ont, tous les ensorceleurs, hop, tous ces enfermés. D'accord. Et donc ça, ça serait une quête. D'abord lire ça, nous sommes des prisonniers. Non, c'est une forteresse bâtie, d'accord. Soyez venus que les justices sont vivants, nous sommes en prison. D'accord, ok, donc on va y aller après. D'accord, ok, donc ça c'est la carte marqueur. Donc là, c'est là où on doit aller voir le magistère. Lieu, si on veut marquer un lieu, je pense. Marqueur, ah non, personnalisé, ça on verra, je pense, en cours de jeu. Sanctuaire de point de passage. Ça doit être peut-être, sans doute ça, peut-être. Peut-être chaque chapitre, peut-être. Et ça, des trucs secrets sur la carte, d'accord. Les dialogues, apparemment, sont... D'accord. On nous répète nos dialogues, au cas où on se souvient plus de ce qu'on a dit, c'est bien ça. Et là, le didacticiel, je pense surtout si on veut savoir comment ça fonctionne. Ok. Donc le livre, là, je vais pas commencer à le voler. Donc ça, la caméra, ça va être chiant, je crois, ça. Examiner la porte. Ouais, mais ça, c'est bien. Ça, c'est le magistère. Le magistère, là, voyons passer. D'accord. Je crois que la gestion des... On va apprendre à gérer. Meurtre, on dirait que quelqu'un a rejoint l'autre. T'es sous la protection, bonne chance, quelqu'un. Anéant, suivi la source qui a fait ça.
Demande pourquoi elle vous approche. Pourquoi elle vous laisse. Finn didn't see it like that. He was desperate for us to help him. Two things scared the living daylights out of him. His own shadow. We'll find out who did. She looks up at you with a mirthless smile. I was on duty in your room when the murder happened. Vous fermez, vous n'avez pas bougé d'une pouce. Partie des rares lieux uniques dont l'innocence ne fait aucun doute, à moins que vous ne soyez capable de tuer quelqu'un d'autre. Oui. Et dire que c'est peut-être le cas, après tout, la sauce coule en vous, de répondre que c'est un tour que vous ne maîtrisez pas encore parfaitement, lui demander si elle questionne également les autres mystères. Tué par la source, si vous êtes capable de choses pareilles, vous ne serez pas un mystère, oui, c'est clair. Ouais, peut-être que quelqu'un s'est débarrassé de son collier. Je suis pas une balance. No lesions, no trauma. He was bled by magic. C'est ça la première, c'est d'accord. C'est le truc, ça devrait se mettre automatiquement là où il y a un nouveau truc. Et on a appris. On nous a promis une pièce d'or si nous parvenons à porter la produit de cette coupable. Mr. Rivelin. Mais non, ça passe si vite le temps là. D'accord. Alors. Là-bas, je vais pas voler juste aller alors qu'elle est là. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à faire? Hein? Livre. Je vous laisse lire. Je suis pas sûr qu'il sert à grand chose. On verra plus tard pour s'en débarrasser. Ouf. Ouais, je vais pas m'asseoir. D'accord, inventaire. On va l'enlever. Servir à un moment ou à un autre. No known associates. In fact, you seem quite averse to spending time. Why won't you sing? Be good, you scallywags. Ah, Lose, c'est une peut-être d'une future collègue. Source bloquée. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, de l'or. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est un mouton. Ami des bêtes, terminé. Mais on n'a pas le pouvoir, on peut pas. Là non plus. Je sens que ça va être chiant là. Quel côté on va aller? Un autre côté. Alors elle, voir Sybille. Ou elle, moi je vais d'abord aller voir Sybille. Vous avez une idée de... Parce que là, il faudrait que je mette plus près, ça c'est pour monter machin. Tac tac, ou alors ça, ça. Retourner, mettre tout au même endroit. Mettre ça, ça. Ouais. On va lui parler. Examiner. Alors, elle, ça, c'est Bill, effet d'état.
Savant ancestral, mangeur de cadavre, donc c'est une elfe, comme on voit là. Tu peux utiliser ni la source, ni gagner de sous, d'accord. C'est bien le texte, c'est comme si c'est nous qu'on regardait. C'était à nous. Une elfe est assise dans un coin sombre. Demander ce qu'elle est en train de faire. Je lance les dés. Ouais, d'accord. Ficelle du destin. Froncer les sourcils, le destin de qui est-elle en train de décider? Rien, peut-être que lire la maison dans les entrailles de vache également. Elle vous observe des pieds à la tête dans l'ombre d'un rictus au coin des lèvres. Il ne faut jamais dire jamais. Elle peut décider de destin avec des dés, lui demander si elle peut aussi lire l'avenir dans les entrailles. Et vous êtes pas. Sérieux. En ce temps-là, il y en a qui discutent là. Non, je peux lire le passé dans la chair, c'est la nef. Je maîtrise plutôt bien mon sujet, figurez-vous. Je pourrais lécher votre barre et vous dire que vous avez fait il y a deux nuits. Vous permettez? Avec sur l'œil pendant que tout le monde dormait, et quelqu'un d'autre désactivé ressemblant de près à ce que je viens de vous faire. Quelqu'un était manifestant elfe. Ah, j'aime bien les elfes alors. Avec un peu plus d'ardeur. Vous avez oublié ça, hein. J'ai rond et admettre que c'est tout à fait ça. Ben, je peux pas, je sais rien. Rassurer. Alors allons, ne vous en faites pas, trésor. Viens garder avec moi. Ma langue garde toujours ses secrets. D'accord. Par contre. Ouais. Commande. Non. C'est l'audio. Je vais augmenter quand même la voix des dialogues. De friand qui nous ont du tout sale gosse, c'est que j'ai rien à voir avec le nommé Lose. Elle n'assume pas son nom, d'accord. Votre changer les yeux, the young woman seems about to raise her hand, but quickly remembers herself and nods pointed. Who indeed? Why, my name is. The children break out. I say it is. Her pinched face cracks into a great grin, and she shoots. Yeah, okay, you found me out. Ah mince. J'aurais peut-être choisir l'autre, ils auraient pas trouvé, ça aurait été trouvé. Dark-eyed and dirty head, and smiles flatly. C'est dommage que le narrateur, au moins la voix du narrateur, ne soit pas en français. Gotta keep ourselves entertained, haven't we? Ah ouais, lui dire que c'est bien vrai, que monsieur a la main, non, c'est bien ça. Compagnie des gens de son âge, lui dire que vous vous souciez plus de votre survie que diversement concernant. Like yourself, maybe. I don't mind the kiddies, usually. Sujet du meurtre commis à bord, lui dire qu'elle devrait examiner les lieux avec vous pour pouvoir découvrir. Je suis au bateau sec, le très fin, nous jouons à la balle tous les jours. Ok. Ça vous d'accord? Nope, trying not to find anything out either. Ignorance is bliss. The utterer, the better. Donc ça c'est rien apparemment. Cloud to an unnatural black. Grayish veins run down her face, and her mouth tightens into as quickly as they came. The cloud looks clear. She smiles as though no change came. Ah, peut-être une vision. Good luck, chief. Ah non, c'est vrai que si Lose, elle a quelqu'un qu'elle a envahi par un être. Démoniaque sans doute. C'est vrai. Like
Donc vous voyez déjà 25 minutes de jeu et j'ai pas fait grand chose. Allons pardon à ce nain là. Un nain de stature imposante, tiens, c'est sûr. Cascade de tresses. Je sais pas si vous voulez que je vous lise les textes. Faudra me le dire dans le commentaire. Surtout pour ceux qui regardent sur qui regardent sur téléphone, c'est sûr que ça va pas être évident. Il lève un sourcil à votre approche sans ouvrir les yeux. Écoutez mon garçon, vous entendez ça. Mon garçon lui dit qu'il devrait y réfléchir deux fois avant de vous parler comme à un enfant. Lui demander ce qu'on est censé entendre au juste. Ignorer sa requête d'un geste de main et lui demander ce qu'il sait au sujet du meurtre. Bateau évidemment. Écoutez les bruits du bateau. Donc j'entends des sons, la conversation intelligible des passagers, le gisement du bois de plancher au plafond, le mugissement, le fracas, le cassement des vagues tout autour de vous, la complète l'océan lui-même. Et lui dire que la mer a l'air en colère, comme si elle essayait de faire chavirer le bateau, de faire remarquer que les passagers font plus de vacarme qu'une volée de mouettes qu'on entend, hein, lui dire qu'on entend. Il tend l'oreille, l'air attentif. Ce n'est pas de colère, c'est comme une attente. Elle sent venir quelque chose. J'étais où, je m'accrocherai à un truc solide. Tout ce que je vous entendais, écoutez attentivement. Fermez les yeux, essayez de vous couper. Attends. Attends rien, Squink. Ah. Bon, subitement, son visage s'emplit de joie, un énorme peluche. Il a saisi une grande table dans le dos et notamment il va attraper un tout bien dans la brasse. Là, vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Je le savais. C'est une excellente nouvelle, mon garçon, excellente. Je lui ai demandé pourquoi il est si enthousiaste, ce n'est qu'un rat, rien de plus. Entendu, qu'est-ce que c'était? Partir. En petite tête, un rat, c'est le roux du gouvernail. Elle grince chaque fois que le timonier la fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui veut dire que nous faisons cap vers l'est. Que ma barbe m'emporte, ça veut dire que si, voyageant depuis, oui, plus que 10 000 nautiques jusqu'à Fort-Joie, lui dire qu'une barbe aussi splendide mérite un peu de plus de respect. Je lui demandais pourquoi il est si heureux à l'idée de rejoindre Fort-Joie, le sinistre s'il en est, qui qu'il doit être marin espéranté, il lui demandait ce que ce chiffre signifie pour lui. Capitaine pour préciser ce chiffre de Fort-Joie, est-ce qu'il est aussi au-delà. Pour son arrière, caresse sa barre faisant teinter joyeusement ses médaillons d'or. Et il tourne la tête vers vous. Ce sera tout, merci mille fois mon garçon. Sauf si c'est pour une évasion, vous voulez en être. C'est une dernière fois avant de partir, vous aurez peut-être envie de le retrouver plus tard, Fort-Joie. D'accord. Les gens du soleil, vous savez, ils sont preuves évidemment, mais vous. D'accord. Ah non, c'est pas celle-là. Hop, une paillasse. Je suis là pour reposer soigneusement les membres de votre groupe. Donc chacun, il faudrait qu'il pense à en prendre une. Unacceptable. I've never dined on anything less than a dozen course dinner, and I don't intend to do away with the custom. Well, there has been a murder, Your Majesty. Maybe that has the Magister's more concern. Bien que nous donnons vous visage dans cet enfer moribond, laissez-nous vous juger. Vous ferez l'affaire. Hein. Vous avez mis une pile à tête comme infirmière en acheter un nouveau cheval. Première ferme dans le but d'inspecter vos dents.
Mais maman est trop dedans, mais bon sang, qu'est-ce qu'il fait? Attention, vous faites déjà bien pire, après tout, on ne peut pas espérer tout, trouver de la marchandise pour le choix. Gracieux, t'es que celui-ci. Entrant dans le vif du sujet, je vous prie. Vous allez devoir répondre à trois questions. La première étant la suivante, savez-vous cuisiner? Non. Question, savez-vous coudre, tisser, habiller? Autrement dit, êtes-vous fin d'un mode? Il lui dire que ce genre de d'aération est agréable pour votre forte chaleur. Jusqu'à assez lui demander si ici ou il peut mettre ses questions, peut-être pas l'insulter. Si jamais, ça peut être un allié. Oui, je sers parfaitement vos styles vestimentaires vagabond chic. Avec un sac en toile de guise de chemise, je ne dois pas me faire trop d'illusions. Eh bien, la dernière question, êtes-vous au même d'apprêter votre maître comme s'il se doit et de veiller à la bonne tenue de son apparence générale? Je vous parle de l'art délicat de la toilette personnelle. Vous avez vous certé assurément que vous ne négligez pas l'usage des peines, poudres et autres parfums. Le deuxième truc, c'est il est 5 crados, il sait même pas qu'on essaie la dernière fois. Et après, je vous agace et il veut partir. Voilà. Faire le 1. Ah, or donc, je vous ai posé trois questions, vous avez répondu à celle-ci. Commençons donc. Votre évaluation, voulez-vous? Si j'en crois vous dire, vous avez des rudiments d'hygiène corporelle, vous avez le palais d'un bousier coprophage et autant de goût en matière de mode qu'un singe déguisé en clown. Cela ne fera pas du tout l'affaire, je vous regrette de vous dire que vous n'aurez pas la chance de devenir mon esclave, j'en suis profondément désolé. Il a dit qu'il voulait que vous soyez quoi exactement? Oh, il faudra prendre le temps pour accepter. Garde du tâche et vous améliorer, mais quand il faut c'est ce que vous direz. D'accord, là tu me prends pour un esclave. Je n'ai eu qu'à cliquer des arbres pour que mes esclaves me servent à manger et vous prendre pour que je te reste une bouillie. On croit continuer, dire qu'en ce moment même, juste à côté de nous, les magistères font un festin de viande marinée et quelques illuminations qui étaient terminées. Donc avec elle, on peut pas trop parler. Boring. Sans intérêt. Si, ça aura l'intérêt quand il y aura des flammes pour l'éteindre, les éteindre. Pot de cuisine, qu'est-ce que je vais foutre avec ça? Pour l'instant, ça me sert à rien. Ça, c'est pour s'asseoir, ok. Là, il n'y a rien à... Rien à prendre, là? Si, peut-être là, la caisse. Ah, c'est quoi? Un jus d'orange donne un point d'extérité, soin dit. Il y a dû le secours pour toujours. Ouais. Chercher la clé ou apprendre à crocheter pour encore avoir recours à la force. Oui, j'ai pas toute capacité encore. Ouais, mais je vais peut-être pas la défoncer parce que. Il y a un magistère qui est juste à côté là. Talent. Pas s'il a une clé. Insufferable, surely. What are you trying to hear anyway? I'll tell you if you can keep it quiet long enough for me to listen. Là, il y a un magistère. Ah, il y a Fan. Fan... C'est pas le mort-vivant, ça?
anything else I can make for your majesty. Turnips and water are all I was given. Unacceptable. Vous pouvez déplacer l'écran d'inventaire d'un contenant sans glisser le bouton gauche de la souris. There has been a murder, your majesty. Votre nom. Well, you aren't here on my list. Scrammy, we're trying to catch a killer here. Quand j'ai la lecture d'un des volumes du célèbre encyclopédie de Le regard vers vous et vos grands yeux ronds, vous appuyez à la tête. Il étend le bras et vous attrape la main, qu'il fait tourner dans un sens puis dans l'autre avant de diminuer. Enfin, vous pensez la peau et tire largement dessus. Ainsi, non. Somalien fixe la nerf indigné. Lui demander ce qu'il est en train de faire, lui demander sur son livre intéressant, il a l'air tombé par sa lecture, lui demander à qui vous avez l'honneur, et fin de commencer à lui dire que ce qui est fascinant, c'est son mode instable de survie. Ah oui, les mondanités. Fin érudit de 10 ans, ça fait de connaissance, ça suffira. Donc il peut être utile, hein. It is pleasurable to meet you. C'est pas dans vos livres, je lui suis ici depuis quelques minutes. Pas la moindre début de réponse au mystère de l'univers. C'est à la fois trop détaillé et insuffisant. Je connais le début et la fin de cette histoire, mais le milieu ne me paraît pas clairement. Dites-moi, que savez-vous de l'histoire de votre de notre monde? Vous parlez de la guerre contre l'ordre divin et le cercle noir. Elle a éclipsé tout ce qui se produit avant. Dialogue spécial Ifan, lui dire que l'histoire de cette terre est attachée de mort et de massacre. Mais vous ne pas s'attarder au sujet. Humain, une histoire de rébellion et une histoire de l'ordre divin. Parler de Lucien le divin et de son fils. Soldat, lui parler de la menace la plus présente, de la façon dont les magistères combattre les anéants en quatre coins de rue. Oh, please. I have no interest in that. No. I want to know about the celestial. On sort plus sur le divin, je veux en savoir davantage sur le dieu. Ils ont créé toutes les créatures, mais ils ne parlent pas de ce qu'il y avait avant. D'où venaient ces dieux? Quel est le peuple? Où sont les autres et leur espèce? Certaines choses restent du domaine de l'inconnu, de la garde d'un air crédule, les dieux sont la force de la nature et non pas d'histoire. Ton dieu. Ouais, d'accord, tu veux rien savoir en fait. Je peux insister, ils sont fous. Est-ce qu'on peut passer par là? Ah non. Bien, le magistère. D'accord. Ce qu'elle a, lui dire que vous allez bien. Venu pire, lui demander si vous sortez. L'évêque Alessandra en commande, la situation va grandement s'améliorer. C'est un aldéide, vous savez. Allez, entrez, William, ça va s'occuper de vous dans le temps. D'accord. L'interruption de la pièce, vous pensez une sorcière. Ça doit être celle-là, la fameuse. Du tout début, là, Windigo. Tiens, un jour, l'aide de leur balette alors qu'un officier l'interroge. Alors, vous avouez, c'est bien ce... vous qui avez tué ce pauvre diable. En effet, ce n'est que le début. Elle me regarde dans les yeux. Il y en a d'autres ici qui sont condamnés. Ouais. Comme ça l'a vu, parlez de Dieu, cette femme est folle. Voilà, allez chercher le magistère Swan, la colline ne suffit pas possible. Bon, à vos ordres, et vous en allez, le maître doit absolument être arrêté. Voilà, peut-être l'occasion de clencher une mutinerie, dire à la femme que vous êtes de son côté. Bon, ce qu'elle veut dire par il y en a d'autres quand même.
Le retroyage touche à sa fin, il reste tout de même pour le grand final parce que. On porte la main à son collier. C'est ce zoom là. Trop près, je trouve. On part à faire une scène. Alors on peut rien, on voit rien. Je ne vous laisse pas dire. Je ne vais pas dire, pardon. En bas. Autour de l'ennemi. Comme ça, c'est réglé. Aide conceptuelle, maintenir Alt G on permet en... pour mettre en ambiance les objets que vous devez récupérer. D'accord, ok. Ok. Donc là, c'est quoi, source bloquée? Alors examinons, parce que là on est tout seul. Ah mince, j'ai pas appuyé sur le bon de touche, ouais. Là, y'a rien là. Si. Ah bah si, alors. Perception, soit 10% du réel. Copieux crémeux des yeux. Ouais. Ah. Sur un. Une arbalète. Baguette de fortune. Panneau d'équipement. Vous équipez notre objet, ouvrez votre inventaire, ouais, il fait que glisser le bouger jusqu'à un passement approprié. Pour moi la baguette, mais dégâts des eaux augmente avec intelligence 13 mètres. Donc, ouais, donc, niveau 1 augmente avec dextérité. Donc plus la dextérité, plus le niveau de l'objet augmente. Sournoise, les attaques sournoises infligent des dégâts critiques quand vous attaquez la cible. Ça. Ah oui, donc ça c'est en tout cas demain. Ok. Ça je saurais. D'accord. Non, il n'y a rien de toute façon. Ah oui, comme 45 minutes. Eh ben, je vais vous dire sur ce. Donc, on est allé voir le magistère, mais malheureusement, la sourceleuse s'est réveillée et a tué le magistère Williams. Eh ben, je vais vous dire au troisième épisode, enfin, quatrième avec la création de personnage. Que j'ai faite juste avant. Eh bien, je vous dis à bientôt pour la suite.
Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker et à commenter sous la vidéo. Je vous remercie. Au revoir et à bientôt.